Nein. Reerve. Was kann wir alle diese Länder? Membres du clan Efernir, en cette froide nuit, nous nous réunissons pour la première fois sur ce sol étranger pour le conseil du clan. Une terre du Nord, avec ses légendes et ses mystères. Maintenant que le clan a accosté, qu'il s'est installé, que les navires ont été démantelés pour en faire des abris, nous avons encore beaucoup à accomplir pour prospérer. Stocker davantage de bois et partir cueillir de la nourriture avant l'arrivée de l'hiver. Il s'annonce rude, je le sens. Frey, qu'en est-il des éclaireurs envoyés dans les terres ? Que nous réserve ce nouveau monde ? Au nord, les pâturages bordant les côtes ne sont que des gisements de fer où rôdent de dangereux loups. Au sud, les terres sont bien plus fertiles, riches en blé, bordées de forêts et de lacs propices à la pêche. Et accessoirement, il y a un vieux temple. Quoi ? Ouais, genre mausolée, tout en pierre, trop bien fait, super rétro 480. Pardon ! Ces terres sont déjà habitées. Prenez tout d'abord ces terres au nord. Je ne tiens pas à ce que ces loups s'approchent trop près de mon trône. Rassemblez nos fiers guerriers, ils feront la renommée du clan et chasseront ces maudits prédateurs jusque dans leur tanière. Ce sera notre premier exploit. Vraiment, c'est nécessaire le casque-corne ? Absolument, nous sommes le clan du cerf. Paisto en plus. Ta gueule, Ragnar. Tandis que nous cultiverons les terres au sud, nous construirons une grande salle d'escalde, en signe de notre domination sur ce monde. Ainsi, nous conterons nos glorieuses aventures, perpétrerons l'histoire de nos ancêtres, et enseignerons la valeur de l'héroïsme à nos enfants. J'aurais préféré une taverne. Ah ouais, grave. Le fer de ces contrées sera le nôtre, et il sera forgé. Nous le transformerons en des armes redoutables. Il y a aussi l'Est. Nous avons fait la rencontre de petits êtres bien farouches. Ils ressemblent en tout point aux nains des anciennes légendes. Ce peuple abrite d'excellents mineurs, des orfèvres de la métallurgie, d'une finesse de forge incomparable à la nôtre. Voilà qui est fort ennuyeux. Ils n'ont pas intérêt à s'approcher trop près de mon fer, au risque de le sentir passer. Ah, j'en vois pas les émissaires du coup ? Nous devons nous préparer pour l'hiver. Veillez à ce que nos paysans exploitent ces terres à garnir les greniers. Que tout le monde se mette au travail. Fermiers, bûcherons, chasseurs, cueilleurs. Chacun doit contribuer à la survie du royaume. Les réserves de bois s'essoufflent. Les greniers se vident plus vite qu'escompté. On va manquer de nourriture. Et les loups sont coriaces, même par temps de froid. Oh, j'ai failli y passer. Ah pour ça, j'ai une solution. J'ai des potes, ils ont construit un squat près des cabanes de pêche. Ils s'y connaissent en magie et tout, si ça peut t'aider. Grouille, s'il te plaît, j'ai froid. Bien, nous avons survécu à l'hiver. Quel soulagement. Notre clan a une chance de s'en sortir. Et les loups ont été repoussés. Les berges sont dégagées autour de notre territoire. Néanmoins, d'autres autochtones gardent le sommet de l'île en son centre. Situé auprès de cet arbre géant. Un arbre géant ? Oui, un grand arbre magnifique avec des fleurs bleues scintillantes. C'est un signe ! Se pourrait-il qu'il s'agisse d'Yggdrasil, l'arbre monde ? Nous aurions atteint ses primaires racines ! En tout cas, il est bien gardé. Des guerrières au teint pâle l'entourent avec la ferme intention d'empêcher quiconque d'approcher. Il ne peut s'agir que de Valkyries déchues. Elles protègent là le pilier légendaire de notre univers. N'importe quel seigneur se verrait obtenir le titre de roi de Nordgard après une telle découverte. Ouais, après, c'est un arbre. Nous devons nous emparer de l'arbre avant les autres clans. Débarrasser le terrain des démons jusqu'à l'atteindre. Nous allons prendre Nordgard. Toute l'île ? Mais ça va demander des moyens de malade. On n'est pas assez nombreux, on manque de richesses, de ressources... Nous aurons tout ça, de gré ou de force. Nous sommes des vikings. Avec nos fiers drakkars, partons piller d'autres terres et allons répandre la nouvelle qu'Yggdrasil est à notre portée. Pourquoi c'est moi qui vais en fait ? Liden, les nouvelles ont atteint le vieux monde. D'autres clans ont accosté. Ah, mes conquêtes portent leurs fruits. Ils viennent me prêter allégeance. En fait, ils contestent vos droits sur ces terres. Quoi ? Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Leif du clan des sangliers est à côté, et il se revendique roi de Northgard. Maudit soit-il. Il s'approprie mes terres. Mon île. Il est temps d'exploiter ces mines et de forger de meilleurs outils. Commencez par améliorer ce descalt. Et voilà. Et voilà quoi ? Bah, c'est forgé, donc c'est mieux. Ah, ok.
Et pourquoi ne pas demander aux nains? Ils pourraient nous aider à... Ces maudits autochtones, toujours sur mon passage. Ils sont une entrave à mes plans. En mes qualités de mon nouveau titre de Tan, j'ordonne la mise en œuvre d'une stratégie de gardien et la construction de tours de guet proches de ces sales racailles. Eh bien alors? On est tombé sur un ours. Un gros. On a chié, mais c'est passé. Par contre, les petits barbus, ils sont pas trop chauds pour qu'on s'installe à côté de chez eux. On leur a fait des petits paniers garnis, mais ils font toujours la gueule. Déjà qu'ils nous volent notre travail et on leur donne nos réserves de nourriture, alors que les nôtres meurent de faim chaque hiver. Qui a eu cette idée? Wallala, c'est pas moi. C'en est trop. Pendant que ces nains nous bloquent, les autres clans se renforcent plus vite que nous. Il est temps. Brandissez vos boucliers et affûtez vos haches. Nous allons régler leur compte à ces nains. Quoi? Sérieux? Vous serez accompagné de notre plus grand héros de guerre, Knut. Allez, sois pas timide, Knut, dis bonjour. Hardi, mes braves! Ces profiteurs veulent notre fer? Donnez-leur plusieurs échantillons dans la gueule! Ah, ça, ils vont en avoir un aperçu de notre fer! Ouais, alors gaffe à pas trop perdre en prestige. Peu importe! Festoyons en notre victoire! Il faut célébrer cette glorieuse conquête! Nous sommes l'emblème de l'héroïsme, des tueurs de monstres. Notre peuple est le plus heureux. En attendant, les autres, ils sont quand même plus vénères que nous. Hein. Ils ont même dompté des bestioles qui gardent les frontières. Et en plus, j'ai une missive de... Il ne faut pas s'arrêter. Ils vont atteindre l'Yggdrasil avant nous. À l'attaque! Le clan des sangliers n'a pas démérité son nom. Regardez la taille de cette bête. Ils l'ont invoquée avec une puissante relique. Croire que les dieux sont de leur côté. Des dieux? Ce n'est qu'un gros gibier. Bon bah, du coup, ce soir, c'est ragoût. Il ne reste que quelques lieues avant d'atteindre l'arbre monde. Construisez une Lidskjalf. De sa magie naîtront les Hanhenjar. Plus fort que Fenrir. Plus grand que Jormungand. Yggdrasil est à la portée d'Exirnir. C'est moi? Non, mais moi non plus, j'ai rien dit. Mais genre, vraiment, tu vas attaquer les Valkyries, là? Franchement, c'est chaud. On raconte qu'elles sont les plus redoutables du continent. Qu'un seul de ces monstres vaut 10 guerriers. En plus, ça sert à rien, parce que... Nous sommes le clan du cerf. Les bêtes et les démons trépassent sous nos lames. Les autres clans ne peuvent rien face à notre puissance. Mais brave, la victoire est à notre portée. Ces abominations ont trépassé sous le poids de nos haches. Et Yggdrasil, l'arbre monde sacré, votre immortalité, ma plus grande gloire. Hein? Comment ça, par Odin? Bah ouais, logique à force. Quoi? Feu, hein? Allez. J'ai pas arrêté de le dire. Tout est dans cette missive. Tous les Jarls se sont soumis au clan de la chèvre. Reste plus que nous. Comment est-ce possible? Je n'en ai jamais entendu parler. Comment peut-on se proclamer roi sans avoir fait aucune bataille ni conquête? Sujet. Le temps est venu pour vous de ployer le genou devant votre reine. Peuple du cerf, votre chef, le Jarl Liden, a échoué dans sa conquête de Northgard. Lors de notre expansion, nous avons adopté les bêtes sur leur territoire au lieu de les chasser. Notre clan a prospéré en nourriture. Quand nous avons rencontré les autochtones, nous avons commercé avec eux. Notre clan s'est davantage enrichi. Lorsque nous découvrîmes des ruines, nous les étudions avec soin. Notre clan s'est épanoui dans la connaissance. Tandis que les autres, s'entre-déchirés pour leur prestige, nous partîmes en quête de savoir, nouant alliance avec nos voisins. Et nous avions une brasserie. Oh, je le savais! Ainsi, il est clair que supprimer ses semblables et revendiquer un petit arbuste n'a jamais fait de vous un grand conquérant. Nous sommes plus nombreux, plus forts, plus prospères. Ployez devant celle qui a embrasé le feu rituel, bravé le grand froid, repoussé les Draugr et unifié les peuples de ces terres. Jeune Jarl du clan du cerf, prêtez serment à votre nouveau chef, Gunhild, reine de Northgard. Bon bah eux ils ont une taverne, j'y vais. Je te suis.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner. C'est bon pour mon référencement. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !